De Céline, la dernière fois, il a été rayonnant. Je vous demande d'accueillir Marc Dombes. Donc les deux personnages sont au café, ils parlent de la société de leur temps. Je te signale qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas Céline. Pas ce qu'il écrit, ce qu'il est. Oui, c'est normal. Surtout un jour de vote. La guerre approchait nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte et je n'avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m'avait fatigué. Et puis j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait traité un peu de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir tout à fait, on était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison en somme que j'ai convenu conciliant. Mais enfin, on est tous assis sur une grande galère. On rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire. Assis sur des clous même, à tirer tout nous autres. Et qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards, et puis les vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste. Leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, suintant des rouspignoles, et puis voilà. En haut, sur le pont, au frais, il y a les maîtres qui s'en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de parfums sur les genoux. On nous fait monter sur le pont, alors ils mettent leur chapeau de forme et ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrie numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Gueulez voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1. Qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille, la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu. Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre, où c'est fait bien plus vite encore qu'ici. Merci, Marc. Tu attends qu'ils te disent est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. D'accord. Là, tu as vu direct, ils ont applaudi. Oui. Donc l'artiste dit, ils ont applaudi, donc c'est bon. Mais tu vois, il faut analyser quand même la puissance de l'impact, tu vois. C'est-à-dire que là, bon, les applaudissements étaient nourris. J'ai senti qu'il y avait quand même une adhésion. Tu l'as senti? Oui. Donc tu étais bon. J'espère. Tu prends plus de cours. J'espère. Là, non. Ah, il était juste bon. Bravo. Bravo quand même. Bravo Marc. Alors là, donc, on va être au dernier numéro de ce plateau. Et juste avant qu'il se prépare, je vais un peu meubler avec...